Seulement nous, à la police religieuse de Tarse, on nous la fait pas. Quand il y a poisson sur la voiture, il y a chrétien dans la voiture. Poisson égale chrétien égale Jésus. Alors si toi, Jésus, moi j'arrête. Si toi, chrétien, moi j'arrête. Et si toi, poisson, moi j'arrête. Arrête d'arrêter, qu'ils me disent dans la cité. Mais c'est pour ça que j'ai galopé jusqu'à Gagnères sur mon indomptable cheval. Guerre sainte! Avec ma terrible épée, parole de Dieu! Hey. Mon nom est secret à la pointe de l'épée d'un S qui veut dire Saoul. Saoul! Tu sais, je m'appelle Saoul, pourquoi il y a un problème là? De toute façon, j'ai l'habitude, tous les copains se moquent de moi. Salut Saoul, qui me disent, alors, tu es encore venu nous saouler avec ton Dieu, hein? Seulement, ils me parleront sur un autre ton quand j'aurai liquidé le fan club de Jésus. Toi, poisson, moi, j'arrête. Non, mais j'ai pas raison. Si Dieu veut un fils spirituel et une sorte de bras droit pour lui confier ses affaires, ben, va choisir quelqu'un de bien, hein? Quelqu'un qui a toujours été le meilleur à l'école, qui a tout étudié sur Dieu, et surtout, qui respecte la loi aveuglément, et sûrement pas ce pecno de Nazareth, avec son CAP de charpentier. Ils n'ont rien compris, les copains. Laisse tomber ta guerre sainte, qu'ils me disent. C'est pas tes oignons, qu'ils me disent. T'as qu'à faire confiance à ton Dieu tout-puissant. Hé, hey, faire confiance à Dieu, c'est facile à dire, hein? Seulement, le tout-puissant créateur, il a parfois un peu de mal à assurer. C'est écrit, lisez. Sondez les Écritures. Dieu est bon. Et il est très, très lent à se mettre en colère. Alors forcément, il se fait marcher sur les pieds. Et puis heureusement qu'il y a des mecs comme moi pour le défendre, des hommes à poigne pour réagir, mettre un peu d'ordre dans son business. Toi, poisson, moi, j'arrête. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant dans le coin, mais Dieu, il a déjà laissé couler son affaire une fois. Hein? Et quelle galère pour le vieux Noé! Et qu'est-ce qu'il a dû ramer pour en sauver quelque chose? Mais pas de panique! Je suis là! Saoul! Et je souris parce que tout est accompli. On lui a réglé son compte à Jésus. On l'a dénoncé aux flics. Et il ne s'est même pas défendu. Et maintenant, il faut que j'aille m'occuper de ses copains. Ils sont graves, ceux-là. Ah si, hein? Ils vont partout raconter que Jésus a fait son comeback d'outre-tombe. Qu'il est vivant. Non, mais le pire, bah, c'est qu'il donne une très mauvaise image de Dieu. Comme si c'était un Dieu qui pardonne, qui guérit, qui console, qui nourrit. Un Dieu pour les tocards et les femmelettes! Alors moi je m'arrache, je vais à Damas, c'est leur QG. Ces mauviettes ne sont pas armées. Et c'est pas leur poisson qui va les sauver. Toi poisson, moi j'arrête. En avant, guerre sainte! Ah! C'était aujourd'hui l'éclipse! Je crois que j'ai regardé le soleil en face et maintenant je suis aveugle! Mais quelqu'un en a profité pour me frapper, hein? Où es-tu, espèce de lâche? Hein? Paul? Non, moi c'est Saoul. Tu pourrais peut-être te renseigner avant de régler tes comptes. Il n'a pas l'air commode, hein? Et puis il a une sacrée droite. Et une belle voix, je dirais, un mélange entre Thierry Ostrini et puis François Raymond. Quoi qu'en plus,
Oh, veux-tu que j'aille, hein? Tu m'as moitié assommé, puis je vois tout noir. Mais qui es-tu, hein? Et qu'est-ce que tu me veux? Hein? Hein? Qui tu dis que t'es? Je suis. C'est pas un nom, ça. Jésus! Jésus, c'est pas possible, t'es mort. Tout le monde t'a vu sur la croix, on a même mis des flics pour garder le tombeau. J'y comprends rien, mais il a l'air très vivant. Et moi, je suis mal barrée. Hein? On t'a dit que je te persécute. Qui a cafeté? Écoute, Jésus, tu sais que t'es très fort, hein? Parce que je t'ai même pas entendu venir, là, mais... Mais dis-moi, là, le coup de la lumière, bah comment t'as fait? Parce que personne ne peut commander au soleil. À moins d'être... enfin... celui qui dit ce que t'es. Le fils de Dieu. Le ré. Oh bon sang, mais c'est bien sûr. J'avais tout lu, j'avais rien vu. Je suis foutue. Vas-y, Seigneur, frappe-moi. La foudre, la peste calamiteuse, les araignées gluantes, les serpents venimeux, le chikungunya, fais ce que tu veux. Je l'ai bien mérité. Tu veux, c'est que j'arrête de saouler les gens. Tu veux maintenant que je les épaule. Ok, Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, moi, plus Saoul, moi, Paul. Et puisque tu m'arrêtes, moi, poisson. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Attends, primo, je localise Garcia de Secundo, je me saisis de parole de Dieu. Ah! Et Tertio, je vais massacrer tous tes ennemis. Yeah! Wouhou! T'es fâché? J'ai rien compris. Garcia peut aller brouter. Et parole de Dieu? Je dois saisir parole de Dieu comme... un bâton de berger. Non mais attends, regarde-moi, Seigneur, là. Tu vois, un pasteur, hein? C'est doux, c'est gentil. Ça fait pas peur aux brebis. Ça prend soin des petits nagnos. Eh ben moi, j'ai pas le profil, hein. Tu vas t'occuper de ma reconversion professionnelle. Cool. Remarquez, j'en ai bien besoin. Pour commencer, je dois aller à Damas. À pied. Bon. Pour aller m'humilier devant un chrétien. Il s'appelle Jude, nom de famille Ananas. Ok. Ok. Je vais aller m'humilier devant...
jus d'ananas. Il va prier pour moi? Oh, Seigneur, mais je sais que j'ai fait des choses terribles contre toi et contre les autres là aussi. Et toi, ben t'aurais eu le droit de m'écraser, mais comme une limace sur la route, et puis tout cela, il t'aurait applaudi en plus. Mais tu es bon, tu m'as pardonné. Et maintenant, tu me donnes une nouvelle vie. Mais dis-moi là, tu voudrais pas aussi guérir mes yeux parce que ça pique? Dans 3 jours. Ben finalement, chrétien, c'est pas pour les mauviettes, hein? Ouh! Tu as un message pour eux. Bon, il semble que la voix ait dit, mieux vaut vous appuyer sur les épîtres de saint Paul que sur les épaules de saint Pitre. Amen, gloire à Dieu. Amen. Thank you.